Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Yon plaisir pour n'entrer la KO. Jodia, dans une date historique, côté les États-Unis, a voté pour yon choisir un nouveau président. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Donc, quelques grands points qui ont dominé l'actualité, c'est définitivement, élection ça, qui a déroulé Jodia et VOA Creole, lui-même, yo pral, yo déclaté la permanence. Nous allons rejoindre d'abord, depuis Washington, premier invité, nous, parce que nous gagnons moun, tout, pas tout, et n'a dit que tout, que ancien président républicain Donald Trump, jodi a li jete bulletin dans Palm Beach, ensemble avec madame ni, ancienne première dame Melanie Trump, et li trouvé le tout dans résidence li, dans Mar-a-Lago, et l'a bien pour le prendre la parole, pita, dans soir. Et puis dans Washington même, vice-président Kamala Harris, qui était voté par la poste, et bien trouvé dans Washington, et quartier généraliste, c'est Howard University, yon ancien l'école li, qui c'est université noire, donc élection a déroulé pour élu 47e et président les États-Unis. Eh bien, n'a pas d'abord rejoindre Valerio Saint-Louis, mais avant d'aller rejoindre Valerio Saint-Louis, nous aller rejoindre Gentil Augustin Junior qui lui-même trouvé dans le bureau de vote dans Arlington, qui tout près Washington DC. Gentil, soit entendu. Bonsoir Jacqueline, merci. Et j'en dis là, c'est un tour VOA Creole a fait pour porter élection en Kaimounio. Moi-même, je trouve maintenant une librairie qui est à Arlington, côté que nous avons suivi comment l'élection s'est déroulée. Vraiment, le bureau de vote est ouvert depuis 7h du matin, côté public là, lui-même, il a gagné loisir, il a tout droit pour venir voter pour mon niveau. Nous avons regardé, nous sommes entrés en dedans centre de vote là, à regarder comment le processus là lui-même l'a déroulé. Mounio yo vini avant leur entrée en dedans, yo gon moun ki akeyou, li mando est-ce qu'on inscrit pour voter. Et comme ça, yo présenté ba un moun, li checker pour ou, li faut di non et di nan ki adresse ou sorti, laisse a libre possibilité pour aller prendre bulletin pour aller voter. Et l'offre une première bulletin ça ou gagner pour aller non une côté que personne moun pap ka wè ça wap fait qui est soit choisi comme candidat pour là pour élection ça après l'offre une fait processus ça ou gagner yon machine exactement ou entrer là-dedans ou porter bulletin pour là ou déposer le et automatiquement vote ou lui-même li valider dans machine ça et après l'offre une voter ou sorti nous k'ap gade sous la koua moun yo ki sorti. Nous pas ouais une grande affluence moun Jacqueline pour et bibliothèque ça qui trouvé dans Arlington nan. Nous ka comprendre ça arrivé à cause que t'es déjà gagné vote bonheur qui t'est fait en pile moun débarqué à voter dans vote bonheur et même gens tout gen moun qui a voté par la poste. Nous t'es croisé moun qui t'est venu déposer en bulletin par eux par la poste et gen yon l'autre activité qui fait en dehors de centre de vote ça côté que yon moun qui gagne yon problème quelconque qui pas ka entrer en dedans bureau vote là à cause des marches qui gagne yo sorti dehors yo vinn porter bulletin pour là bas ou gagne des moun qui superviser qui bon possibilité ou même pour voter parce que c'est un devoir civique pour tout citoyen pour venir voter et pour choisir moun qui pral gouverner là. Et ben c'est comme ça VOA Creole est toujours sous place, n'a pas suivi ça qui a passé et bureau de vote yo là pour fermer jusqu'à 7h et qu'arriver même au-delà de 7h parce que depuis qu'il y a des monde qui est dans la ligne à 7h monde pas carré entrer dans la ligne mais si il y a monde qui dans la ligne il y a obligé fin voter. Et gentil en général ou bien pour élection ça yo eh ben gan pile mesures sécurité au prend par exemple ou même cap vive dans Washington DC ou connaît que gan pile sécurité valérité ouais ça avec nous sécurité dans zone la Maison Blanche côté nous gen Jean-Robert Philippe sécurité tout dans zone Congrès et Valérie Saint-Louis t'a parlé de ça mais est-ce que dans bureau Arlington est-ce que nous avons présence policière est-ce que gen sécurité et dis-nous non plus sous question sécurité à nous. Bon, sou, au niveau de sécurité, nous pas vraiment ouais machine police même gens ça y est dans Washington côté que d'ici nous ouais te gen barrage qui fait tout ça, mais gen des mesures qui prend côté que gen moun spécialement qui là qui a di moun gen côté pour camper, gen côté pour pas camper parce que yo vle que espace vote là lui-même, c'est un espace qui réservé avec électeurs, c'est yo même seulement qui gagne droit là avec des journalistes des fois yo dit OK
li gen moment là ou capable vini pour vinn prendre des biol pour moun k'ap voter mais yo dou ou pas gen droit prendre close pour faire close up sou moun nan k'ap voter pour wè ki ça li même la voter sécurité a pas tight même j'ai avec l'autre côté parce que nous connaissons pas vraiment gros biol de vote par rapport avec des quelques états côté que nous connaissons affluence moun k'ap vinn voter mais yo toujours prend précaution yo en façon pour k'ap protéger électeur li même pour moun pa wè ki ça li même l'a choisi qui moun l'a choisi pour représenter dans élection ça nous connaît que son élection historique pour États-Unis parce que c'est première fois yon noir femme li même li candidat pour président et on femme qui fait qui petite des immigrants et gentil et donc bureau de vote ça est-ce qu'on a une idée de qui elle était ouvert et qui elle a fermé. Bon, j'aime ça tout à l'heure, son bureau de vote qui ouvert bonnet dans matin, 7h, en façon pour tout le monde t'es capable de venir. Parce que moun, j'en ai dit là, c'est à tout de rôle moun yo vin voter. Peut-être c'est ça qui fait nous pas gagner une affluence de moun. Parce que y a des moun qui lève bonnet qui vini, parce qu'il pas oublié. Pendant l'élection, travail est toujours ouvert, pas gagner bureau qui ferme. Tout bureau est ouvert, moun yo al travail, moun qui passe bonnet, peut-être qui vote qui al travail, et gen moun qui vini le sous travail yo passe voter. Et même j'en tout, nan pita, en pile moun qui a sous travail en foule, capable gagner plus moun qui vini voter. Généralement, votre bureau est ouvert à 7h et yo ferme à 7h. Mais j'en te tout à l'heure, Jacqueline, 7h là, c'est pour moun pas rentrer dans ligne côté que pour vini voter ya. Mais depuis que tu es en ligne, quel que soit l'LTEA, tout le monde qui est en ligne, par exemple, il doit mettre ton point, il dit que c'est le dernier monde qui est entré en ligne à 7h, là la pour le fin voter jusqu'à ce qu'il y ait un pour le fermer jusqu'à ce que le dernier monde lui-même lui jette le bulletin par là pour choisir le monde qui a besoin. Ok. Merci, gentil Augustin Junior. Gentil Augustin Junior, lui-même. Li trouvé li dans un bureau de vote qui dans Arlington qui t'a fait nous une idée de qui j'en vote là a pu dérouler n'a rappelé que élection ça yo k'a fait ici aux États-Unis notamment pour présidentiel là c'est pas son vote direct c'est indirect parce que c'est grand électeur pral décider de ça et pour yon et candidat et ben capable remporter la mayol pour occuper la maison blanche il a besoin de 270 grands électeurs nous allons rejoindre qu'on y a Jean-Robert Philippe trouvé dans un côté absolument spécial et donc n'a dit merci et à que gentil Augustin Junior mais qu'on a nous établi contact avec Jean-Robert Philippe lui-même il trouvé dans la maison blanche et ben là dans zone la maison blanche c'est en pile sécurité même genre avec Congrès et l'autre institution régalienne ici aux États-Unis donc Jean-Robert Philippe dit nous même genre avec et gentil n'a pas de ouais parce que même c'est dans grand la cour la maison blanche. Et effectivement, Jacqueline, nous dans grand la cour, nous dans côté satay les pouvoirs central là, côté que tout candidat cap goumé pour ou bien qui dans lutte pour occuper fauteuil la maison blanche là, c'est des dominants là y a vini là au fin passé, ça veut dire à partir de janvier que maison blanche a gagné un nouveau locataire. Mais contrairement à côté gentil il y a ou bien côté valet il y a bon ici a pas grand centre de vote là dedans, c'est seulement gain, c'est médias surtout qui viennent là et viennent porter et on l'autre message by téléspectateurs mais encore auditeur côté il y a pas mettre là. Donc ça veut dire que nous même là c'est médias là mais là dit que pour ça concerne présence là dit que dernière nouvelle dernier mon noté vérifié avec eux dit que par exemple président Joe Biden eh bien l'a prêté dans résidence ici la Maison Blanche pour suivre résultat élection pendant que vice-président Kamala Harris même l'a trouvé lié exactement dans Howard University dans Washington DC côté que le à l'école et lui-même c'est là que le pral passé et soirée avec certainement et supporters li fanatiques li et personnel li pral avec eux pour l'assister ou bien pour le temps résultat élection si a bon résultat final à soirée. Ensuite nous capable joindre et ancien président et Donald Trump lui-même qui tourne dans Mar-a-Lago côté qui c'est la caille et lui-même et c'est là lui-même l'a observé ou bien le prend le temps Jean-Robert l'élection pour le suivre et le parler et Jacqueline.
Et Jean-Robert, est-ce qu'on a dit nous que système de sécurité que vous mettez dans la maison blanche pour l'heure de sécurité, eh bien, qu'on gagne militaire, qu'on gagne garde présidentiel, qui sont capables d'expliquer nous sécurité qui qu'on y a là au niveau de la maison blanche? Bon, d'abord, ça relie Jacques la sécurité physique là. Sécurité physique là, elle est pratiquement variée, soutenue dans deux blocs. Côté conseil de gros clôtures que vous installez dans tout alentour maison blanche là, et qu'on seul rentrée pour venir dans zone côté média, il y a une seule rentrée là. Et c'est là que nous-mêmes nous capables nous t'est passé, mais clôture ça tellement haut, ou pas même capable à moins qu'on dans le gars ou capable voler pour sauter pour t'avoir tomber en dedans. Donc c'est sécurité physique là et puis il y a toute sécurité humaine. Ça c'est et secret service quel que soit quand on vient dans zone nord, on a besoin agent sécurité qui apparemment capable de pas armé, mais là il y a gardé et comme côté nous il y a c'est dans zone tampon nous y est, c'est nos zones stériles que nous y est. Donc, c'est dans la sécurité au PLV et c'est seulement journalistes qui ont accès à côté nous y est là. OK. Jean-Robert, merci. Jean-Robert est toujours dans la Maison Blanche. Et est-ce que nous pas connaît, donc nous pas connaît que qui Jean s'apprête pour journée, mais en attendant, eh bien, sécurité qui fait tout partout, côté que, notamment, et ou capable de joindre la Maison Blanche gain sécurité, congrès à gain sécurité, mais nous-mêmes nous gain monde un peu partout, nous gain par exemple notamment nous gain Luxon Saint-Ville qui dans Floride n'a gain pour nous rejoindre, nous gain Jean-Robert Philippe là lui-même qui est avec nous dans et la Maison Blanche. Mais est-ce que Jean-Robert et nous gain un écho de côté président en parlant de Joe Biden avec oui. Madame ni docteur Jill Biden? Oui, et président Joe Biden l'a trouvé dans la Maison Blanche ensemble avec Dr. Jill Biden. Et c'est ici qu'il a choisi pour observer, bien encore, pour suivre le résultat de l'élection, les bureaux de vote ont commencé à fermer. Parce que le résultat n'a pas sorti pas avant que le bureau de vote ont fermé. Et les résultats ont commencé à sortir dans différents États. Yeah. Donc, ça veut dire que chaque candidat, il y a un côté qui a suivi l'élection. Et il y a quelqu'un notamment pour prendre la parole. Notamment, nous connaissons que l'ancien président Donald Trump, qui est candidat pour le Parti républicain, lui-même, il trouvait dans Mar-a-Lago, dans la résidence. Lui-même, il votait déjà. Il souhaite voter dans Palm Beach, ensemble avec Madame Ni, ancienne première dame Melania Trump. Il a voté. Mais il a rappelé que Kamala Harris. Et lui-même, il était voté par mail. Et c'était, il dit, c'était pour le débat, un exemple. Parce qu'il y a plusieurs façons, Jean-Robert Philippe, pas bon ici, ou voter. Ou bien doit voter par la poste. Ou bien doit voter avant l'heure. Par l'heure, avant l'heure, c'est ça. Mais chaque État a une date. Dans le mois, il a déterminé pendant une semaine que l'électeur est capable de voter avant l'heure. Mais c'est l'électeur qui n'a pas voulu aller contre problème à la dernière minute puis à voter pour, parce qu'il a peur pour ne pas gonfler, il a difficile pour voter. Donc, on va voter. Et puis, il y a un grand jour là, jour J, qui est le dernier jour à tout. Parce que si on ne pas voter jeudi, on ne peut pas voter encore. Parce que début, on vote fermé, on ne peut pas voter encore. Donc, c'est il faut ça qu'on fait. Nous apprenons tout, gain par exemple, quelques nouvelles, il y a quelques petits problèmes qui posent, mais là, il y a une vie sous dossier là. Par exemple, côté bureau vote fermé était ouvert un peu tard. De l'autre côté, par exemple, que déjà a prolongé et fonctionnement bureau de vote, très certainement parce qu'il y a des petits problèmes techniques qui posaient et très certainement qui t'a empêché que l'électeur t'a fini de voter. Le bureau de vote a fermé, par exemple, côté a fermé à 8h, mon connaît. Et le responsable électoral, le PAC a décidé pour prolonger. Ouais, puis on prolonge et ouvert du bureau A, ferme du bureau A, prolonge à l'autre heure. Mais il faut qu'on juge qui l'a et qui va autoriser que le bureau soit capable de l'ouvrir, peut-être pendant une heure de temps en plus ou bien deux heures de temps en plus. Si tu as un problème technique, et problème technique, là, pratiquement, Jacqueline, problème technique, ça résout. Donc, toutes mesures prennent net, toutes mesures responsables, ils ne quittent rien, ils ne négligent rien, ils prennent toutes décisions possibles et même l'imaginable, n'importe quoi, ils étaient quoi qui t'a impossible, qu'on t'a pensé, et bien, ils mettent sous table là pour s'il t'est arrivé, peu qu'à faire face avec lui. Jean-Robert, pendant qu'on a parlé de candidat qui a voté, et Fonsi a l'étou que J.D. Vance, qui s'est colistier ancien président Donald Trump avec Tim Walz, qui lui-même s'est colistier Kamala Harris,
yo même tout yo t'al voté. Quand y a nous pral les quand y a non l'autre parti et moi-même avec Jean-Robert on t'a parlé de quartier général et Kamala Harris on a parlé de Howard University. C'est une université noire qui entre Washington DC et Maryland et c'est là tout que Kamala Harris t'al l'école son université noire et c'est là qui quartier général et c'est là tout que éventuellement la gagne pour prendre la parole pita et là nous gagnons Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis nous rale sur New York qui vient pas bo ici. Valerio et Abdinou, m'pa connais si nous tirer j'ai établi contact avec Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis, dis nous non et so ouais so tendez dans Howard University. Gale Valerio. Bonsoir Jacqueline, justement, je suis campé devant l'université ça qui est Howard University. Howard University, qui c'est l'université ça que vice-président Kamala Harris, c'est là que tu as l'école. Donc, l'université ça a une signification très spéciale pour lui, très important. Et c'est devant le campé là, des domaines là, c'est la première fois tout dans l'histoire élection récente ici aux États-Unis que eh ben, vice-président là, ou candidat du moins, pour attendre les résultats élections en dedans l'école côté que tu as l'école. Après, rappeler que vice-président Kamala Harris, c'est là que tu as l'école. Il gradue en 1986, du moins il gradue dans l'école ça, il gradue en sciences politiques et économiques, certainement il continue à étudier pour aller pour tourner ou avocat, mais l'école ça, Howard University qui est donnée là, sont l'école qui est très importante, qui tenue à cœur d'ailleurs, il fait déclaration, dit que dans toute carrière étudiante, dans toute jeunesse, pendant que l'a étudié, c'est là que le passé meilleur moment. Il faut nous dire que à l'université ça, c'est sous campus, c'est-à-dire sous la cour campus l'école là, que il peut aller préparer déjà, puis on fait gros festivités, gros célébrations, si toutefois, eh bien, vice-président, là, comme candidat à parti démocrate, là, s'il t'a sorti d'élection, s'il t'a gagné élection. Donc, son préparatif, c'est gros préparation qu'a fait là, devant l'université à nous camper, université Howard, université qui sont universités historiques pour Noyau, côté que, une fois qu'on a précisé en 2019, c'est là que vice-président Kamala Harris t'a annoncé que le préalé, pour t'es brigué même ticket pour comme représentant parti démocrate, là, ça va arriver. Fait, donc on est, c'est le président Joe Biden qui est arrivé joindre nous. Et c'est en dedans l'université ça. Nous disons plutôt en dedans librairie université ça, que le très préparé, le nouvel livre préparé, préparé peut-être pour le faire débat ça que nous avons fait vis-à-vis face avec l'ancien président Donald Trump. Donc une université qui a une importance pour vice-président, c'est ça qui fait qu'à ce moment-là, c'est là que la Chine attend le résultat électoral aujourd'hui. Dans le périmètre, il faut nous un périmètre qui est très sécurisé tout autour de l'université. Il y a une grosse barricade qui monte, il y a un policier, la police tout partout, et même au niveau de sécurité, on est capable de dire, et avec chien même qui a marché, on est capable de servir avec chien policier, qui ont déjà fait périmètre ça, côté que il est très sécurisé, parce que, on a répété pour encore une fois, devant l'université, à côté au campé, journée électorale, ça, vice-président Kamala Harris, qui est candidat parti démocrate, là, c'est là que la parole donne à souhait résultat élection. On a précisé. Tout que malheureusement, j'ai oublié de dire ça, et bien, le président Joe Biden pas vous joigné. La plan ensemble avec partisans fanatiques, en pile monde, campé de l'université, la presse. Nous, quasi même, c'est une université qui a même un aspect pour ici, je vous dis, en pile monde, a vu une photo, en pile élève qui a passé là, nous n'étions pas là avec quelqu'un, Jacqueline. Et bien, je dis que nous sommes très fiers, puis ouais, que c'est dans l'école ça, que vice-président, candidat, parti démocrate, là, c'est là, qu'il a l'abtenu pour célébrer à souhait l'élection, évidemment, si toutefois, il y a un joint résultat électeur. Jacqueline. Oui, et donc Valerio, dis-nous non, ou même ou là pour VOA Creole, et dis-nous non, est-ce que ou l'autre presse internationale, presse américaine qui yo même tout yo vinn couvrir événement ça? Et certainement, nous avons pile presque là, et je me permets de dire ça, moi avec plusieurs collègues nous, dans le service La Voix d'Amérique, VOA, nous même VOA Creole, très l'autre service dans La Voix d'Amérique qui est là tout, nous avons deux, trois confrères nous qui là toujours, qui ont fait un reportage, mais écoutez, moi là, dans terre principale, ça qui devant l'université, on a appelé Howard University, côté que vice-président Kamala Harris, c'est là que pour le résultat élection, gain la presse, gain des curieux, gain pile étudiants qui campent, et gain monsieur qui va côté, on a signé des bruits musique, on a y'a plein. C'est monsieur ça qui vient côté là qui est là danser là célébrer la fête devant barrière université à côté que lui même tout lui dans ambiance son ambiance et avec une sécurité m'a précisé encore une fois une sécurité très serrée puisque nous pas qu'en dedans si quelqu'un qui en dedans c'est parce que yo
autorisé, mais nous-mêmes, nous campions dehors et tout périmètre là, ils ont barricadé tout aux alentours de campus universitaire ça. Et nous campions précisément, si nous regardons bien, ma fonte de placer pour nous capables, et bien là, c'est une entrée principale à l'université. On a regardé machine qui est là, qui est certainement autorisée. C'est une entrée principale avec plusieurs. Nous avons ballons rouges et bleus, certainement décoration qui est en fait devant barrière. Donc c'est là que nous campions et c'est là qui c'est une entrée principale. Nous avons compris la sécurité très serrée pour aujourd'hui, Jacqueline. Et Valérie Saint-Louis, nous connaissons que dans le cadre et couverture ça, ou même où tu as eu l'occasion tout, aller dans un congrès, pour question sécurité, est-ce qu'on peut rappeler nous, et qui gens au niveau congrès, nous connaissons que congrès, lui-même, c'est lui célèbre, tristement célèbre, parce que nous songeons que qui gens que janvier. Oui, et en effet, si nous avons eu chance de virer dans la zone congrès, devant le capitole, ça le capitole là, nous avons eu chance de virer dans la zone là, dans différents quartiers, nous sommes capables de dire dans le centre-ville, Washington DC. Quand est-ce que nous avons remarqué que la sécurité a été dressée et tout, Jacqueline? Sécurité qui, évidemment, il était évident, nous avons eu des gros barrières forgées qui ont monté aux alentours au capitole là, et dans différents la rue qui ont même, et dit, dans la zone de plusieurs villes. Ou édifice public, surtout capitole, puisque nous songeons, et ça qui est passé, c'est peut-être déjà pour rappeler ça qui est passé. Donc je vous dis, nous sommes capables de dire, dans 5 novembre, ça qui est joué l'élection, l'autorité dit que vous parlez à quel que soit ça qui est passé. Et c'est pour parce que justement, et officiel et dans l'intelligence américaine, le fait qu'on ait que vous avez un bruit, que le pays là aussi, le pays Iran, vous avez une intention planifiée, puis vous êtes capable d'encourager les gens à faire manifestation, les gens prennent la rue. Faites les ordres en quelque sorte dans la journée électorale ça. Bien que, eh bien, représentants de différents pays, ça n'a précisé le pays là où c'est le pays Iran, dit que il n'y a pas d'aucune intention et il n'y a pas d'aucune interférence qui a fait dans l'affaire élection année ça ici aux États-Unis. Je veux dire, c'est un gros jour et dans le moment que nous avons parlé ensemble avec nous, il y a plusieurs étudiants qui commencent à entourer et VOA Creole. Dans le moment là, il y a dansé, puisque, m'a dit encore une fois, gros monsieur, qui vient avec musique pour danser, pour célébrer, pendant que le système sécuritaire très serré dans le périmètre. Aux alentours de l'université, ça. L'université, ça qui est Howard University, qui joue un jour de garantie dans l'anal histoire électorale aux États-Unis, puisque c'est là que le vice-président Kamala Harris est à l'école, l'Irak, en 1986, dans sciences politiques et économie. Jacqueline. Merci, merci Valério. Valério Saint-Louis parle avec nous depuis Howard University. C'est dans le cadre de couverture que VOA Creole a fait dans l'occasion gros journée électoral ça nous soutenons et Arlington côté que nous t'ai gentil qui t'a fait nous qui genre eh ben activité dans bureau de vote nous t'ai allé tout dans la Maison Blanche avec Jean-Robert Philippe qui t'a montré nous qui genre situation est et il fait nous connaître que président Joe Biden avec toutes les premières dames là docteur Jill Biden ils ont tous les deux à suivre activité électorale activité journée ils ont même dans la Maison Blanche et c'est ça et qu'on y a nous pour aller dans New York pour nous voir qui genre situation est et nous pour aller rejoindre Glorious Nelson a dit nous d'abord qui côté lié dans New York là nous exactement devant Brooklyn College un site côté électeur capable voter dans l'élection américaine qui a fait 5 novembre 2024 là nous arrivons parler avec plusieurs électeurs des haïtiens américains et également des américains qui ba nous avis sous impact yo penser que résultat élection ça après le gagner pour qui ça yo même yo décidé voter jodi unité tout un changement la qualité. Parce que pour le monde vote, il y a une super bonne qui va faire ça pour nous. Parce que là, nous n'avons pas de paille. Et depuis que j'ai encore plusieurs raisons. Ils sont pour la vie ici tout. Donc il ne faut pas besoin de nous dire si nous voter. Mais c'est très important. Donc il y a moins. Donc nous faisons billet démocrate. Nous avons démocrate, mais ça ne veut pas dire voter pour démocrate, mais obligé de dire voter pour nous penser que c'est pour le pays, qu'il y a des pays, qu'il y a des pays. Je pense que c'est un bon impact.
C'est plus à cause immigrants qui ont voté. Pas juste dit immigrants parce que nous tous sommes immigrants. Pas parler des immigrants qui illégal. Et ça a un gros impact sur New York. Nous avons des gens qui ont dormi dans la rue. Vétérans qui ont dormi dans la rue. Les gens qui prennent en ligne chaque 2-3 semaines devant l'office qui ont mangé. Font l'état où tu as dû rejoindre moun si la yopto, moun ki légal yo. Bon, pas de opinion, pas d'opinion pam. Opinion pam, c'est qui ça dit? Opinion pam, c'est faire de voix. Ok. Ok, merci en pile. Je ne sais pas si la gagne quelques électeurs qui ont même pas décidé de bailler à vie sous impact et raison qui fait voter dans l'élection 2024. Glorieuse Nelson depuis Brooklyn, New York. Merci Glorieuse et Nelson. Donc nous sommes New York et Konya nous pral dans Springfield dans état Ohio. C'est une zone qui était dominée actualité pour plusieurs raisons, mais nous pral regarder qui gens élection ayé dans zone ça avec Obed Lamy. Mon a monté descend, machine a circulé. Mardi 5 novembre, nan, c'est une journée qui semble normale dans Springfield, alors que l'élection a déroulé depuis bien bonnet dans le matin. Là, nous devant l'école, ça, qui c'est une centre vote qui gagne dans Springfield. D'après chiffre autorité, il y a 1503 électeurs qui inscrits pour venir voter dans le local. Ça. Mais l'activité est assez timide matin, pendant nos sous place, nous avons quelques électeurs qui ont rentré sorti dans le bureau. Nous avons chance de parler avec Jason, un électeur qui dit qu'il était souvent avec un pile attention. Débat sur l'immigration qui était venu mettre Springfield dans quelques campagnes électorales à Nessa. Il dit nous pour qui ça vote, il t'a pas fait matin, important en ville pour lui. I don't want to give away who I'm voting for, but I think it was very. Je vais le révéler pour qui laisse me voter. Mais déclaration Trump t'a fait a vraiment bas niveau. C'est dommage de ce qu'il utilisait calte langage avec parole ça pour parler sur immigrants qui dans pays et dans ville Springfield. Nous devons bailler chaque monde une chance parce que nous sommes un pays immigrant. C'est peut-être ça vote ça a fait là en 2024 là, veut dire en pile bagaille pour pays, pas seulement pour ville Springfield, mais tout pays. Nous te croisons tout à Xander, un citoyen qui saute voter pour première fois dans la ville. Il dit nous à qui sentiment il peut attendre résultat élection yo à soya. I feel pretty confident in them. Nous sentons vraiment une confiance dans résultat yo. Je connais un pile état à côté résultat élection, pas même gens avec opinion. Je comprends ça. Même vraiment confortable avec Trump sur le fait pour président, pour parti. Même si gros majorité haïtien qui dans Springfield, pas qu'à voter parce qu'ils n'ont pas de citoyenneté américaine, mais journée élection ça concerne eux en pile. Parce que je ne songe ça, la communauté haïtienne a fait parler en pile de lui pendant qu'en part électoral là, les candidats Donald Trump ont répété accusations comme quoi. Haïtiens qui dans Springfield ont mangé chat avec chien moun dans zone yo. Quelques haïtiens qui sous place, dis-nous comment ils vivent journée élection ça. Nous dans Springfield là, qui ça n'attend journée élection hein, et matin là. N'attend moun qui t'ai fait nous bien. Moun qui t'ai souhait pour nous changer chemise pour lui parce que c'est ça lié parce que nous même nous connaissons les démocrates qui pour le système immigratoire là ici là. Bon, nous avons une réponse à l'élection parce que nous connaissons Kamala Harris, tout haïtien. Et pas seulement tout haïtien, non. Tout immigrant. Bon, nous avons une réponse définitive qui c'est Kamala Harris parce que c'est lui-même nous avons besoin. C'est lui-même nous avons besoin. Parce que c'est démocrate, nous courons 100% nous-mêmes. Pas de l'autre. Au bête de l'ami, vous pouvez accueillir le Springfield, Ohio. Merci Obed Lamy et c'est avec dernier correspondant ça que nous pral mettre fin dans programme là nous t'ai occasion rejoindre Jean-Aubert Philippe qui trouvait dans la maison blanche nous gain gentil Augustin Junior qui lui-même t'ai trouvé dans un centre de vote dans Arlington et puis nous t'ai gain Valerio Saint-Louis qui était Harvard et University et faut dire que gros journée électorale là ici aux États-Unis il y a plus passé 200 millions électeurs qui jetaient bulletin pour choisir entre autres un nouveau président pour pays entre vice-présidente démocrate Kamala Harris et ancien président républicain Donald Trump. Et nous t'a remis dit que pita à 9h eh ben n'a gagné un programme
spécial. Et fon dit tout que ancien président Donald Trump déjà voté dans Palm Beach avec toute madame Nip et Melania Trump. Et li trouvé dans résidence li dans Mar-a-Lago. Et gen Kamala Harris li même qui était voté par mail. Et li même tout quartier généraliste dans Howard University côté que nous gagnons Valerio Selvi. Donc le prochain rendez-vous c'est à 9h tapant côté que nous allons gagner un programme spécial dans occasion et gros journée ça, gros journée électorale ça ici aux États-Unis. Mais en attendant, on est capable de brancher sur toute plateforme nous pour capable gagner dernières nouvelles qui tombent. Moi c'est Jacqueline Belizère, c'est un plaisir, donc rendez-vous 9h. Bonsoir. Les samedis nous sommes éternels, et c'est que PM Gariconi, que Capeta a invité pour mardi 5 novembre dans là, côté que n'apprendre que pour discuter sous question remaniement ministériel qui doit être fait dans le gouvernement. Et pas oublier que PM Gariconi était clairement dit que il n'y a pas de problème avec remaniement ministériel là, non? Mais qu'il y a, n'est-ce que Dieu doit faire remaniement? Sous base, respect ou ensemble de principes, soit accord 3 avril, ou dis-moi ce que, et en principe, ça t'est dit, ça t'est discuté. Mais et pas parce que, dès que décide, parce que estime que, et tel ministre, si tel ministre là, et bien, dès que décide, je cherche tel ministre. Parce que PMG a clairement dit que, et bien, sinon, chaque monde qui arrive dans ta KPT après changer ministère, et pas changer ministre, et les ça, pas j'aime qu'il y ait un résultat qui cabaye, et comme ça doit. Est-ce que ça, qu'on a dit, hein? Est-ce que ligue place li? Est-ce que gen moun ki d'accord avec elle? Est-ce que c'est un faux prétexte si que pour le pas avancer ça comme et comme raison? C'est des questions des débats moun a posé. Mais je dis en plus moun comprendre que je dis c'est pas changer ministre solution. Et bien c'est KPTA et puis gouvernement connu en entier. Et bien qui pour ta mérité garder problème qui existait et bon côté yo et ensemble pour avancer avec sac de avancer et permettre que yo arrive by réponse et porter réponse avec sa gala comme situation. Parce que je dis que en plus moun trouver que pendant 6 mois que KPT a metté avec le gouvernement Kounyangin là, mais vrai problème dans qui c'est insécurité, l'hypoko vraiment à résoudre parce que l'hypoko, ouais, ça a posé comme action sérieuse. Et je dis à quoi que, faut qu'ils engagent et faut qu'ils vraiment prennent des dispositions, n'a permettre que qu'il y ait des solutions et qu'il y ait des réponses qui va avec question ça. Il y a un pile acteur qui a réagi et qui clairement ouais que qu'il y a un problème qui existait entre KPT avec gouvernement Koni et PM Gaye Koni clairement montré que oui, il y a un problème qui existait depuis environ 2 à 3 4 semaines là, il y a un problème qui existait entre KPT avec lui-même. Il souhaitait que Gaye Sanrele on yo sait gérer problème là pour capable avancer comme ça doit. Et dans ce sens, est-ce que pendant qu'il y a avancé, il y a géré problème, est-ce que problème peuple haïtien lui-même, est-ce que l'a diminué, est-ce que l'a augmenté et ça a passé quelque part désir? C'est des questions qu'on a posées. Mettez sous ça des Ivenes, nous pourrons regarder question élection États-Unis. Pas oublier, Junet m'a dit ça, et élection États-Unis officiellement a organisé, c'est le monde qui connecté, le monde qui branché. Pour qu'on ait qui est-ce qui va l'occuper, qui va le remplacer Joe Biden dans la Maison Blanche. Est-ce que c'est Kamala Harris qui est actuel vice-président des États-Unis? Est-ce que c'est Donald Trump qui va retourner encore comme président des États-Unis? Mais question à poser parce que là, et dans pile État, dans pile State, bataille la serrée entre deux candidats, Kamala Harris et puis Donald Trump des Ivenes. Et Kounia, ça vous comprendre. Est-ce que. Et. Réalité que là je dis, puisque nous apprenons que Washington a un ensemble de states, un ensemble de côtés là, la police déjà mobilisée, l'armée déjà mobilisée, et ils mettent des séparateurs et métalliques pour empêcher qu'avec tout éventuel dérapage des gens qui sont capables de gagner, est-ce que ça déjà montré que États-Unis qui ont toujours gagné des gros garanties dans la question élection, dans la question anti-sécurité, je dis, États-Unis commencent à montrer avec. Le monde, que même la Kalikounia commence à avoir des problèmes de bouleverses dans la question élection. Et quelqu'un qui même allait plus vous dit, eh bien, même gens que qu'on a bouleversé et créé des problèmes dans le pays, mais je dis en tout, la CAO commence à faire face avec des réalités. Est-ce que ça, son réseau pour être capable d'applaudir? Est-ce que son réseau pour être capable de faire débat? Mais je ne vais pas oublier que c'est le monde qui a bougé, le monde a évolué, le monde a connu des situations difficiles, des Ivenesses.
La situation dans le forum des citoyens, dans qu'est-ce qu'on fait, le premier ministre Dr. Gary Conille a montré qu'il n'a pas joué du tout, il va pas baisser tête devant le conseil présidentiel. Non, ça qui a comme plan pour faire un changement dans le cabinet ministériel, sans doute qui n'est pas trop bienvenu, parce que lui montre si il y a 14 ministères pratiquement qui est composé gouvernement, et bien Blaise Peterson, bien pratiquement 10 qui n'a même et KPTA, qui est le conseil présidentiel de transition. Selon lui, c'est tout qui doit coller tête ensemble dans deux têtes exécutives qui cabaille résultat qui ont tout souhaité pour changement. Pays d'Haïti, dans la situation qui est là, et bien, le premier ministre Dr. Gary Conille montre qu'il mandé ensemble matériel qui permettre que le gouvernement soit efficace dans quatre batailles contre l'insécurité, qu'il même lui gagne responsabilité. Et bien, le conseil présidentiel de transition pas répondre avec ensemble des mots de ça. Ça permet que chaque haïtien qui a gardé la question arrive à comprendre. Bon côté Gary Conille, qui peut-être arrive à comprendre la bataille qu'elle a menée contre l'insécurité à l'hypothèse de bataille petit, elle fait avancer un ensemble de matériels qu'elle demande et ensemble sorti qu'elle fait, qu'elle est lui-même comme premier ministre, comme ministre et ministre de justice. Non? Pour aller essayer de regarder des matériels sophistiqués que vous avez besoin pour la police et la médaille ici capable efficace. Gros rendez-vous qui était cassé là, dans Villa d'Accueil. Est-ce que l'Ipgal chavire chapitre là, qui peut permettre au moins pour qu'on ait qui est-ce qui a bien raison? Est-ce que c'est KPTA? Est-ce que c'est Gary Conille qui peut bien raison? Dans la situation ça, malgré des jours en jour, la paix, puis c'est position qui a bien, pour côté ensemble acteur, et Blaise, lui paraît extrêmement difficile pour est-ce que Haïti va pas sortir dans sa vie là. Et Gary Conille fait rappel qu'elle chita avec ensemble, organisation, ensemble, parti politique, qui est membre du conseil présidentiel transition pour regarder est-ce que vous avez une entente qui va permettre de accoucher avec transition dans l'union entre gouvernement avec KPTA. Et c'est donc regarder bilan. Côté de l'harmonisation, dans l'ensemble premier moyen, côté de accouché et budget rectificatif qui garde pour année fiscale si là, et vous regardez également où vous mettez le gouvernement qui sous pied, c'est l'harmonisation qui permet de faire. Là, posez cette question. Qui est en campagne, selon le premier ministre, qui est déclenché à l'encontre de lui, est-ce que vous l'autre bagaille qui a réglé, qui est à l'encontre de la République, ou bien tout ça qui a fait, c'est dans l'intérêt et pays d'Haïti qui a pratiquement trouvé les situations. Ensemble, situation ça, pas suspendre, inquiéter population haïtienne. Et Dr. Gary Conille exige, mon conseil présidentiel de transition, faut qu'il publie accord 3 avril 2024 là, dans le journal officiel PIA des moniteurs. L'autre condition, que Gary Conille déjà présenté dans la situation. Sans doute qu'il pral dans la discussion, dans la rencontre qui pral gagne entre le conseil présidentiel et 4 premiers ministres et quelques autres ministres encore. Parce que l'information fait quoi, c'est pas Gary Conille tout simplement qui a plat. Il y a des mobs et qui fait partie du cabinet ministériel qui a répondu présent dans le cadre de la rencontre là pour aller se donc regarder. Il a proposé pour que 3 conseillers présidentiels soient écartés et conseil présidentiel fait lumière sous base corruption qui gagne entre conseil présidentiel de transition Blaise Peterson qui baille pour cassé ensemble acteurs arrangé pour yo garder position gagne rénovation nationale qui relait qui gagne comme sigle ARN qui écrit en lettre tout l'ouvrier Blaise Peterson dans moment ça c'est pas pour nous faire promesse encore mais c'est pour nous poser action. Serge Gaspard, qui est président Alliance Rénovation Nationale, voit l'être tout l'ouvrir ça, by exécutif là. Devant crise insécurité que le pays a fait face, l'important pour nous prendre responsabilité, parce que chaque jour ça devient plus grave. Elle profite de gouvernement de transition pour prendre action qui est décisive pour contrecarrer la violence gangue qui pratiquement établi dans un bon parti, dans l'Ouest pays. Qui pratiquement côté yon instabilité qui mérite un leadership solide pour capable se monter avec épreuve ça. Et si par nécessité, non, l'État, les personnes, la connaît des situations très graves, selon eux, il fait quoi qui va la paraître plus difficile. Pour les États-Unis d'Amérique, qui pratiquement arrivé dans une phase décisive, les personnes, qui pral permettre que arrivé choisi, peuple américain, pral arrivé choisi, 47e président des États-Unis d'Amérique. Entre républicain, qui c'est Donald Trump, et démocrate, qui c'est vice-président actuel États-Unis d'Amérique, qui c'est Kamala Harris. Ambassade, pays les États-Unis dans le pays d'Haïti, qui pratiquement parlait sous question élection, qui pratiquement a fait dans la journée pour les États-Unis d'Amérique. Il dit loi pays États-Unis.
sous immigration yo a prêté et strict pas gain aucun changement dans loi yo sous immigration tout de suite après élection 5 novembre aux États-Unis. Autorité yo a continué mettre dehors sans perdre temps tout le monde qui rentrait aux États-Unis de façon illégale et puis qui pas passé dans port entrer la loi ça la loi établie pour monde rentrer dans pays les États-Unis d'Amérique. C'est ça qui ambassade américaine dans position pour le dire. Blaise électeur qui aux États-Unis d'Amérique arrangé pour journée mardi si là pour y aller choisir qui est-ce qui va le président yo. Mais pas oublier gain ensemble sondage qui fait déjà non vote anticipé yo c'est 77 millions votes qui déjà fait Blaise Peterson dans divers états. Pour kounya bon question des grands électeurs qui a parlé qui essaie d'entrer et papier nous ensemble des têtes qui au nombre de 170 sans qui va permettre au moins que regarder question qui est-ce qui va arriver président. Mais pas oublier malgré tout ça ensemble sondage montrer que deux candidats coller dans cadre élection qui pratiquement gagné qui a déroulé là gagné Kamala Harris qui passait tout dernier jour campagne électorale là dans état balançoire dans Michigan côté li rencontré à électeur dans restaurant dans l'église li t'est parlé à qui on dans l'église là dans local qui te dit électeur parti démocrate que yo associé souvent à couleur bleue a collé tête ensemble avec électeur républicain yo kon associé à couleur rouge. Selon Kamala Harris mon ouais un pays qui déterminé pour tourner passage racisme à division et puis traverser un nouveau chemin l'aime voyager moi ouais américain dans soi-disant état rouge ak soi-disant établi qui paraît pour changer et ça qui vient pour avec l'histoire et puis à pied la justice pas bien que Kamala Harris lui pratiquement a porté un discours migratoire et qui contraire avec position Donald Trump qui ouais et migrant en l'autre façon et vient garder dans choix que Kamala Harris fait pour doter mesdames yo dans ça qui vient pour avec un droit d'avortement ça va en pile que cassé et question démocratie qui se choix la bataille Kamala Harris Blaise Peterson en pile monde estimé qu'il doit continuer faire chemin et élection ça yo selon divers dans monde qui réagit sur lui. Yo dit que il gagne en pile surprise d'Adam tant que Jean ça t'écoutant c'est tout temps les élections à organiser dans pays les États-Unis d'Amérique. OK et vote anticipé yo c'est trop regarder faire différence des 4 années qui étaient passées avant les élections il pratiquement marqué grosse différence pour quantité monde et pas oublier dans histoire élection yo yo tout fait quoi démocrate yo dans vote anticipé yo c'était eux même qui étaient comme souvent remporter la maillot dans votre anticipé, mais pour rien, républicain vient rentrer dans le jeu de tatou pour voter avant les scrutins en Blaise Peterson. Deuxièmement, c'est que les dossiers élections États-Unis, li vraiment, et c'est le monde qui va le connecter et va le mettre focus sur lui. Et nous-mêmes, tout. Qui est déjà connecté. Exactement, qui est déjà connecté parce que, et officiellement, c'est 5 novembre, ça là, et je crois que le bureau de vote a fermé peut-être 27, 8 ans à souhait. Et est-ce que le résultat. Abtoubaï dans même soirée, hein? Cher, en pile question qu'a posé. Mais. Démocrate dit ça après plusieurs semaines. Démocrate dit que ça après plusieurs semaines. Ou bien plusieurs jours. Et oui, il n'y a pas parce que M. Sous Biden, il n'était pas mon titan. Et M. c'est là sous Iris, tout la, et Kamala Harris, la pour titan tout. Mais Kounia, problème qui va gagner là, doute qui gagne là, Kounia, c'est. Est-ce que République a accepté Perdi? Et si vous perdez, ça va le passer? Est-ce que démocratie tout pral accepter perdi et si yo perdi ça pral passer parce que pas oublier pas regarder seulement républicain mais que démocratie tout qui pas d'accord si yo perdi comme si la puis déjà ça pral vinn génie avec Donald Trump mais ça va chaque monde haïtien compatriote frère monsieur yo qui et surtout États-Unis qui gagne droit de vote au cap prendre qui ça va voter dans qui intérêt va voter. Et pour qu'ils soient votés. Et comme ça, ils ne doivent pas oublier. Vous comprenez? Moi, je dis, si vous ne laissez pas venir là pour nous voter, ils votent. Ils ne doivent pas ça tout. Et vous cap connaît avec vous-même, consentement, sentiment, intérêt, vous-même qui c'est haïtien, qui réside et qui c'est immigrant, qui c'est citoyen américain, origine haïtienne, cap connaît qui est-ce qui a bulletin pour là? Qui est-ce qui a vote pour là? Parce que votre pour là,
li capable contribuer nan mete 47e. Alors moun ki pral vin 47e moun ki pral occuper la Maison Blanche. Li capable Kamala Harris, li capable Donald Trump. Mais en même temps tout moun et moun ko pral mete nan Maison Blanche non, li pral déterminer 4 l'année à venir aux États-Unis. Li pral déterminer tout 4 l'année et comment monde dans pral lié en termes de relations et diplomatie États-Unis avec des pays dans le monde là et comme quatre puissance. Mais il pral déterminer tout et même les c'est pas au pourcentage qui élevé mais quand même il pral déterminer tout et comment ça pral lié et pour politique en Haïti la avenir Haïti parce que game cap si oui bagu doit mettre focus sur ça à qui ça va servir Haïti la servir. L'a servi Haïti. Peut-être dans mauvais sens ou bien dans bon sens, l'a servi Haïti. Parce que je dis hein, et on comprend que haïtien qui autant de motivation dans élection ça, surtout haïtien qui entre États-Unis dans moment n'a plusieurs et pas plusieurs moyens, soit dans programme pour humanitaire, qui haïtien le programme Biden, soit qui passe par Nicaragua mais qui fait CBP One, soit qui entre par visa tout. Et même haïtien qui c'est citizen, je dis en là, li senti que le pas à l'abri tout avec rivé Donald Trump. Selon ça, entendu dans le débat qui a fait. Mais que moun ki wè tout, pendant démocratie là tout, économie li down, ça c'est approche en pile moun. Parce que nous tande son cloche surtout. Mais qu'on y a ou même qui pral voter, ou même qui a droit de vote, ou même qui capable de voter, comme haïtien. Qui c'est citoyen américain qu'on y a, eh bien, dis-nous, ou alors pas dis-nous, ou à qui côté, qui gens, ou à orienter votre ou. Ok? Qui gens, ou à orienter votre ou. Qu'on a désir, un zamieté à nous, un casse tête, retourner la caille. Je te m'de dire, c'est que PM Garut Koni, monsieur Kade, kapeta fonti jouet to la li to monte descend aller vini retourner besoin pourquoi aller rester là avec Gary Koni. Parce que yote le Gary Koni lundi 4 novembre non. Koni ta ba explication sur question mercenaire qui ta nan pays an. N'apprend que Koni dit avec kapeta an te gen 3 te présent, Leslie Voltaire, Frinel Joseph, Laurent Cécile. Et lui expliquer avec 3 conseillers sa yo, pas gen mentionné en Haïti. Gen un copayi que l'État à travers le ministère de la Justice et la police connaît, ou engager des formateurs pour capable vin former policiers dans unité spécialisée. Et ça, information qui sorti dit nous. Et l'autre ça qui vient jouer nous qui dit nous tout désir, yo clairement dit nous que, et Gary Koni dit, pas gain droit de transition, alors pardon, pas gain droit de mercenaire en Haïti, tout autant que Lila comme premier ministre. Et ça le dit. Bien qu'il y ait là tout, bien qu'il y ait droit là tout, pas m'connait tout, parce que ce Jovenel Moïse négocié là, il est fin tout et Jovenel, alors peuple là en majeur partie qu'on est mercenaire. Il dit, il y a toujours là tout. Alors t'es bien, puis le monde est toujours fait quoi que Jovenel te gagne mercenaire qui est en 2004 pour utiliser coup de zam pour mobilisation populaire. Exactement. Ça veut dire là encore merci pour ça. Il dit quand tu gagne mercenaire là, ni gars qui tu vas cacher ça, capital tu vas cacher ça, ça va aller pas de eux-mêmes. Mais je dis hein, m'a toujours dit ça n'a vivre là, est-ce que n'accepter pour vivre comme ça. Et ça fait dans journée mardi 5 novembre ça gagne pour une énième fois, conseiller président, vous évitez Gary Koni. Et après, dans la rencontre qui prend le fait de jeûner ça, il prend le chita sous question remaniement ministériel. Gary Koni, dans le forum citoyen qu'il a fait dans Keskov, il a dit pas de problème avec remaniement. Mais il faut respecter les normes, faut respecter les principes. Est-ce que ça dit? Si le remaniement pas respecté les principes, là, il pas respecter nom yo, est-ce que ça dit là pas aucun ministre cap tomber?
Est-ce que tout ministre régalien qui n'est que besoin prendre dans Gaï Koni, est-ce que Gaï Koni pral ban nèg yo? Par exemple, ministre intérieur Gaï Koni à la fois ministre intérieur premier ministre. Ministre justice Carlos Ekun, c'est ministre Carlos Ekun. Planification ou coopération externe ministre Gaï Koni. Économie et finance Gaï Koni. Affaires étrangères à culte Gaï Koni. Là encore, faut regarder bataille là, c'est pas une bataille qui petit. Mais je dis hein, Jacques m'a toujours dit, Jacques m'a suspendu dit dans tout ça qui côté nous mettait Haïti. Mais PM Gaï Koni clair Blaise, parce que bien c'est regarder si tu as parlement évaluation sur chaque ministre dans le gouvernement, il t'a fait dans 6 mois. OK? Et je dis pas ni parlement. Dès ouais que monsieur pratiquement a fait un poté bourré sur évaluation entre 4 mois que ministre gagne avec un ensemble de manquements qui pratiquement gagne à travers pays là qui se tâche la présidence tant qu'on fait nomination magistrat délégué de ville délégué départemental vice délégué dans arrondissement qui pas jamais rivé fait et l'autre bagaille que PM n'a gardé toutes les personnes. Ces questions, ministère, 14 ministères qui répartis entre les conseils présidentiels, ou t'as dit, gagner 10 ministères qui n'ont même et conseil présidentiel de transition. Kounia, qui ça nous dit tête nous? Si gagne 10